Et ouais, le jeu il nous laisse vraiment pas le temps en vrai. Il nous laisse vraiment pas le temps. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Et tac, de suite un combat. Et on a 145 000 points. Nous sommes contre quelqu'un qui en a 183 000. Rebonsoir du coup à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de Dragon Ball FighterZ. L'objectif 200 000. L'objectif 200 000. On m'a dit Hansai il a 200 000. Je veux arriver à 200 000. Voilà, donc on va essayer ce soir d'y arriver. Je sais pas quand on pourra y arriver. Je sais même pas si on y arrivera. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Il y a eu que 3 petites défaites. Enfin, non, dont une grosse quand même. Mais voilà, les choses se font tranquillement. On va monter. On profite du jeu bien sûr et on essaye de faire les choses bien tout simplement. Je rappelle que c'est un jeu donc de combat 3v3 développé par les gens qui ont fait Guilty Gear Xrd et Guilty Gear en général, enfin voilà, les gens qui font la 2D à la merveille avec du cel-shading de ouf. Donc c'est des modèles 3D en fait qu'on voit là, mais ça donne une impression de 2D. Et le fait est que ça marche plutôt très très bien. Et là je pense que mon adversaire en face ne tient pas sa manette parce que c'est très bizarre. Attends mec, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu joues vraiment pas là? Ah, il a laissé sa manette tranquille. Bon, attendez, on va laisser tranquillement arriver. Et ouais, donc du coup, voilà, en tout cas, un jeu qui défonce proprement dans l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Enfin, surtout Dragon Ball Z pour le moment. Sachant que. Et super un petit peu. Sachant que, bah, du coup, voilà, gros jeu à visuel, gros jeu à feedback, à combo, à tout ce que vous voulez. Et vous me dites qu'en ça, il a 265 000! Ah! Bon, on va déjà essayer 200 000 maintenant. Et on verra 265 000 un peu plus tard. Bon, s'il vient pas, il vient pas par contre. Parce que là, ouais, c'est. C'est bien, c'est. Ah, mais ça va nous faire du combo test. Attends, alors typiquement, Gohan. Est-ce que je peux faire ça? Attendez, est-ce que je peux taper? Est-ce que je peux taper et faire un combo aérien ensuite? Attendez, on va essayer un truc, on va essayer un truc. Y a machin que je voulais voir, donc on va en profiter. Désolé pour le gars, du coup, là, c'est dommage. Et ouais, c'est ça. Ça, c'est trop bien ça, parce que tu fais tac, tac. Est-ce que je peux faire combo projeté après? Oui! Ah ouais, 5, 6, 7. Et après, il faudrait que je puisse caler la super, quoi. Mais ça, j'avoue, c'est stylé. Ah merde, c'est dommage. Bon, on va voir. Les deux adversaires se jaugent, exactement, Sinopé, ouais. C'est. Non, attendez, on la refait. Ah, c'est chaud. Je vais peut-être changer de perso. Ah, je peux pas le rattraper derrière, c'est dommage, hein, c'est dommage. Et lui, ça marche aussi ou pas? Ah oui, ça marche avec tous les persos, ça, d'accord. Ah, ça peut être marrant ça aussi, hein. Ça peut être marrant. Body perfect. Je pense que combiner un petit Kamehameha ou un truc comme ça en aérien, là, je pense que c'est un massacre. Ouf. Oh, berk. Oh, l'horreur. Là, j'avoue que j'étais pas prêt. Là, j'avoue que j'étais pas prêt pour le visuel. Donc, ouais. Bon, ça, c'est la victoire qu'on voulait pas voir, en vrai. Hein. On va faire retour au hall parce qu'on va pas lui infliger ça, le pauvre. Hein. S'il perd des points dans le vent, c'est dommage. C'est assez dur, ouais. Daikashi... Attendez, j'ai pas vu, du coup, ce que t'as voulu dire. En attendant, en descendant, tu peux claquer le trans... La transfo, ça combotte. Attends, en descendant, tu peux claquer la transfo. C'est quoi que t'appelles la transfo, Daikashi? Faudrait que je vois, ouais. Le combat était très serré, effectivement. Dans cette arrière, nous dit merci pour vos réponses, je vais lancer. Ah, mais si vous avez. Comment dire? Si vous avez des questions sur le jeu ou quoi, je. Voilà, j'ai pu y jouer un petit peu quand même, donc si jamais ça vous. Enfin, si, ouais, si y a des choses que vous voulez savoir ou quoi, n'hésitez pas sur le chat, je rappelle. Donc voilà, là vraiment, on va essayer de se mettre bien et de claquer les 200 000 points, quoi. Ça serait bien, hein, ça serait bien. Il est magnifique. Gohan à la transfo ultime. C'est vrai? Ah, Takash, je savais pas ça. Comme pour Golden Frieza? D'accord. À quand un combat contre Kaiane? Mais ce serait stylé en vrai, je kifferais. Hein. Mais je pense que sur la chaîne, franchement, ça peut être tellement drôle qu'on se fasse des FT3 avec des gens ouais, comme Lucas, Hansei, bon, bah, Kaiane si elle veut, tout ça. Enfin, tous les gens en gros qui sont à balle sur le jeu en ce moment, ça serait trop cool. Ken, éventuellement Ken Bogard. Oh, ça serait tellement bien. Hmm. On verra. Et Yatava Murir qui nous dit. Non, tu vas mourir qui nous dit. Tu prends trop d'avance, tu vas tartifier. Le ladder à la sortie du jeu, bah le but, c'est bien le but en fait, c'est d'essayer de m'y mettre un peu, j'ai pas dit trop, mais un peu, le minimum quoi, c'est juste pour comprendre un petit peu le jeu. Là je suis loin de comprendre ce qui se passe dans le jeu en vrai, j'ai fait beaucoup de bourrage et de trucs comme ça. Batosai! Ah putain, rien que pour ce pseudo, je vais affronter cette personne. Mais du coup ouais, c'est vrai que dans l'idée vraiment c'est ça, c'est-à-dire que j'ai très 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 envie de vraiment comprendre le jeu quoi.
Donc après, j'irai pas très loin parce que j'ai pas le temps de m'investir autant que je le voudrais, mais au moins y jouer pour de vrai, ouais. Donc après, voilà, l'intérêt des parties classées, c'est pas de se classer, c'est de jouer contre des gens de son niveau et plus fort pour pouvoir toujours être meilleur et de voir comment eux contrent les trucs qu'on fait pour se corriger soi-même en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Et découvrir d'autres choses aussi sur le jeu. Et vraiment, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de se mettre dans ce genre de jeu, parce que y a des gens qui me disent ouais, mais du coup je connais pas, j'ai peur de me faire éclater, machin, premier jour. Mais ça se passe pas comme ça en vrai. En vrai, c'est que bah oui, on se fait tous éclater tout le temps parce qu'on joue toujours contre plus fort que nous. Maintenant, l'idée c'est d'essayer de progresser et de s'améliorer en fait. Ça va pas plus loin que ça. Bon, là, je suis contre un vrai là. Là, je vous préviens, je mets le son à fond, je joue sérieusement, je vous sens ma tête de concentré et tant pis. Je me cache derrière le micro comme ça là. Allez. Ça, je m'étonnais pas. Allez, il est très très fort en face, il est très très fort. Ouais. Ah, il est des vrais 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 combos. Merde. Dur.
Très très dur. Très 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 dur. Ouais, là j'ai donné tout ce que j'avais, mais c'était dur. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup je vois des choses que j'avais pas vues avant, et notamment sur les contres et tout ça, il y a des choses que j'avais pas du tout perçues. Et du coup ça mérite une revanche. S'il me la permet, je l'espère. Ouais, génial. Allez. Ok, j'ai un truc. Ouais, c'est bon. Ça. Salut. C'est pas ce que je voulais du tout sur ta gueule, mais là. Allez. Salaud! Oh le bâtard! Oh, je suis dégoûté! Oh, je suis dégoûté! Là, franchement, je suis dégoûté! Belle action de sa part, mais je suis dégoûté! Mais non! Ah, ça gratte. Non. Oh le bâtard. Oh non mais non. Ah mais non. Ah c'est tellement sale. Ah c'est tellement sale. Mais tu m'étonnes qu'il a connu victoire. Ah c'est tellement sale. Ah c'est tellement sale. Ah c'est tellement sale. Oh je suis dégoûté. Oh je suis dégoûté. Oh mais ça. Oh il mérite tellement.
Ah mais là il mérite tellement de perdre la cause jusqu'à demain. Mais là mais laisse tomber. Oh là là. Oh c'est tellement dégueu. Oh là 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 là. Oh il était beau. Franchement celui-là 10 sur 10. Celui-là il était 10 sur 10. Ah mais direct. Oh là 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 là. Mais quel seul. Bon en même temps on l'avait roosté hein. Là j'étais dans sa tête, il pouvait plus rien faire. C'était fini. En fait le truc, je vous ai pas parlé, mais en fait ce qui se passe dans le combat, pour débriefer un tout petit peu, ce qui s'est passé c'est que le gars il a voulu se battre en mode ultra défense et tout, et donc en fait il m'a eu parce que moi j'attaquais, je rushais, je me faisais défoncer. Et en fait dès l'instant où j'ai mis la prise dans l'équation, ça a été très compliqué pour lui, parce que du coup à chaque fois il se protégeait, et en fait il prenait la prise derrière et donc il savait pas quoi faire. Et c'était plus compliqué. Bon allez, on relance. Là c'est bon, ça devrait être un combat plus tranquille, je l'espère en tout cas. Oh là là. C'est vrai que le rush kit dans une bêta, tu comprends pas le principe. De toute façon, le classement compte pas, donc tu t'en fous. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est ça. Et dès l'instant où j'ai mis la prise, après c'était fini, il pouvait plus rien faire. Enfin, il était encore un peu fort pour me défendre, enfin pour me contre-attaquer, mais ça se passait bien quoi. Bon, allez. On va se détendre un peu. Ah, joli. Ah, ça, je savais pas que ça se faisait par contre. Ah! Se détendre, pas tant que ça en fait. Oula. D'accord, bon, attendez, on va quand même au moins s'assurer d'un truc, c'est que c'est faisable. Ah, c'est chaud ça. Il peut en tirer ce truc là. Mais non. Ah, oh, mais ça c'est. Quand je rate le link comme ça me tue. Peut-être qu'il est pas combo ce truc là ce coup-ci. Je sais pas. Là, tu peux, mais... là, il a claqué tellement de ki pour rien. Ah ça y est. Ah le spammer. Alors comment est-ce qu'on punit ça? Comment... Très intéressant. Vous allez voir. Voilà comment on punit. Pressing. Ah après si, oui, si je merde mon truc aussi c'est dommage. Ah merde. Oh ça c'est cool. J'ai super peur d'être mon perso quand même. Allez, je pense au perso. Bon bah tant pis ouais. Je comprendrai jamais les spammers. Bah je sais pas, Damoclay, parce qu'il a vu que ça marchait donc Si il y a... Mais il y avait un intérêt dans ce qu'il a fait en vrai hein. C'était pas inintéressant. Ah monsieur c'est chaud. Bon d'accord. D'accord là, attendez. On va redevenir lucide un moment. Attends c'est qui est à moi là? Merde moi je joue Fraser, je pensais que je jouais Goku pendant 2 secondes. Oula je fais n'importe quoi. Attends on va Voilà. Un spammer c'est pas grave, hein. C'est pas le plus chiant. Franchement ça va. C'est les zoning exactement. Bon, on va en faire deux, une dans la garde et une pas. Donc là voilà, ça va spammer. Après, il y a un moyen contre un spammer aussi, c'est cool, c'est de spammer aussi. Voilà, ça marche aussi. Oh là 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 là. Bref, tout va bien. Tout va bien. On va blâmer quelqu'un d'utiliser les outils que je veux que le jeu lui donne. Ouais, non, mais c'est ça, c'est. Non, spammer, c'est. C'est. Moi, ça me gêne pas en vrai, quelqu'un qui spam. Si on peut le punir, c'est bon, c'est le principal. Que le spam soit récompensé par le jeu, je suis pas d'accord. Mais que le. Qu'il a envie de minder son truc comme ça, il peut. Hein.
Ah merde, j'ai trop tard. Ah, c'est dommage. Là, il casse tout son ki. Ah. Ah merde, dommage. Le perso au moins. Merde, j'ai lâché la garde. C'est Piccolo maintenant, c'est moins grave. Ah et bouh, il est dur. Bouh, faut pas le laisser bouger en fait, je pense. J'arrive plus là. Je suis paralysé. Ça y est, j'ai le cerveau qui freeze. C'est pas grave. Ouais, là j'ai le cerveau qui freeze complètement là. Trop de jeux en peu de temps là. Voilà. Dommage. Oh, je suis dégoûté, c'est pas du bon côté. Je vais me faire battre, hein. Si je continue à faire ça, je vais me faire battre. Non, c'est bon. C'est remontable. Ok. Ça va aller. C'est bon, je suis revenu. Ah. C'est bon. Ah, j'ai eu un moment de vrille, parce que le truc c'est qu'il faut être tellement concentré longtemps. Deux combats d'affilée c'est très très dur. Mais après ouais. Ça va. PA, je te fais des bisous. Je l'ai puni. Ouais non mais il m'a fait mal au début. Enfin j'ai eu un moment compliqué là. Quand tu fais le switch après l'attaque de Frieza, pourquoi tu ne fais pas après l'attaque smash, tu prends quelques dégâts en faisant le switch? Non, tu perds quelques dégâts en faisant le switch aussitôt. Quand tu fais le switch après l'attaque de Frieza, pourquoi tu ne fais pas... Ah oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. Parce que des fois je stresse de pas réussir à lancer la super en fait. J'ai du mal à... Enfin quand tu parles de smash, tu parles d'attaque à 1 j'imagine. Je stresse trop de me foirer dans le lancement en fait. Je me stresse trop de tout ça. Est-ce que j'ai pu tester C16? Non. Non. Pas du tout. Allez, on a combien de victoires du coup? 22 victoires sur 26 combats, c'est propre. 185 000 en face de nous. Est-ce que c'est pas le même, tiens? Le ratio a l'air d'être le même. À clan Freezer après. Bon, on est loin de Hansei encore. Je pensais qu'on arriverait rapidement à 200 000, mais en fait, non, c'est super long à partir de maintenant. Donc, on va commencer à galérer propre. Kos, comment est-ce que je trouve le jeu? Bah, le gameplay est ouf. Le gameplay incroyable. Plaisir de jeu fabuleux. Enfin, c'est le summum du summum du summum de ce qu'on appelle le feedback. Quoi, tu vois, c'est incroyable.
Après, voilà, j'attendrai la version complète pour m'exprimer sur le jeu complet. Mais en tout cas, sur le gameplay pur et dur, et donc bah, du coup le online et tout ça, c'est nickel. Et ce qui est bien, c'est que finalement, on arrive à jouer quand même propre. Hein, parce qu'on a des connexions un peu de tous horizons, et pourtant, ça reste large faisable, quoi. Allez, donc là, je sais pas contre qui on va tomber. Oula, attends. Oula. Je suis pas dedans du tout. C'est pas naturel. Allez, voilà. Sortir des vrais combos, putain. Quand même. Non, la prise sur une attaque, ça marche jamais. Pourquoi je le fais à chaque fois? Je me fais déglinguer, voilà. Je me suis fait perturber, je suis nul à Yesh là. Alors, c'est pas ce que j'étais parti pour faire, mais c'est pas grave. Ah merde, c'est chaud. Ouais, j'espère que j'ai encore là. Ah non, c'est fou. Mais non. Oh, c'est passé. J'ai volé ma super là. Attends, je me concentre un peu parce qu'en fait je vais perdre là. On va se poser bien. Prends le coup, c'est pas grave, on l'assume celui-là. Ah, j'arrive pas hein. Non, il est fort en face là. Oh merde! Mais non, mais deux fois! Oh! Deux fois. Putain, deux persos pour remonter ça. Accroche-toi. C'est bon ça. On va voir. Allez, c'est remontable, c'est chaud mais c'est remontable. Quoi? Oh merde! Putain, je pensais que c'était combo, je suis dégoûté. Ah, oh, j'étais tellement sur le moi là. Non, c'est chaud, c'est fini. C'est fini. Bon, il a bien joué. Il a très très bien joué. Par contre, je veux une revanche. Là, on se laisse pas faire comme ça. Je rappelle, c'est FT2, donc c'est premier à deux rounds. Il en a mis un. On va essayer quand même d'en mettre un autre parce que là, on se laisse pas avoir comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a pas perdu de points parce que mine de rien, il était plus fort que nous. Ah, non, revanche. Ouais. Non, là, il a bien géré. Hein. Il a très très bien géré. Ouais, je sais qu'on peut forcer l'autre à switcher. J'ai encore du mal à le faire, mais on va changer un peu strat. On va changer la façon de jouer Gohan, surtout. Ah putain. Ah.
Faut pas que je fasse ça. Désolé, parce que je teste le perso en même temps. Merde, putain, je l'ai perdu. Oh là là, c'est dur. Putain, ça va être chaud. Ah, là, c'est dur, là, c'est dur. Là, j'ai pas changé de perso, j'aurais dû, mais c'est juste que je voulais tester les trucs. En situation réelle. Non, je me fais rouler, je suis plus dessus, là. Je suis plus dedans du tout. Ça va être bien que ça commence à fatiguer un moment ou un autre, parce que là, quand même, on a enchaîné pas mal de trucs. Ça touche pas, ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, là c'est chaud. Ah punaise, il est trop lent son baron. J'essaie des trucs, je réfléchis trop du coup. Ouais, non, là c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Je réfléchis trop. Ouais, première fois que je me fais rooster comme ça, non? Putain. Bon, on va quand même lui tuer un perso, c'est très bien. Ouais, non, même pas la frise, elle passe. Putain, j'arrive pas à... Ouais, j'arrive pas à passer ce que je voulais passer, hein. J'arrive pas à passer ce que je voulais passer. En fait, le truc, c'est que j'essaye vraiment de comprendre comment je punis quand je garde, en fait. C'est ça que j'ai essayé de faire là. C'est-à-dire, en fait, garder, et derrière une garde, bah, réussir à punir, faire une contre-attaque, machin, lancer un combo. Et en fait, je me rends compte que, putain, t'as intérêt à connaître ton perso sur le bout des doigts, parce que c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas si facile que ça. Vraiment, je... Ouais. En fait, t'as ce côté où tu veux garder, mais l'autre, du coup, de façon renchérée en mettant une patate par-dessus ou un machin ou une attaque en bas, etc. Et donc, garder comme tu le fais dans un street par exemple, où tu peux vraiment réussir à garder propre et tout. J'ai l'impression que là, c'est faisable, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus vif, quoi. Donc, ouais. Bon, après, lui, il était aussi très chaud, hein, le gars contre qui on s'est battu. Et puis, bon, perdre un petit peu, ça fait pas mal aussi, parce que là, on a fait que gagner, donc il était temps quand même de se prendre une vraie rouste comme celle-ci, quoi. Donc voilà, combien de persos au final Motiak? Je sais plus combien il y en a qui ont été annoncés à l'heure actuelle, qu'on a pu voir du coup voilà, dans les trailers de présentation, etc. À voir. Attends. Je sais pas si c'est le chat qui fait du bruit ou quoi. 23, tu nous dis qu'il a? Je sais plus, ouais. Ouais, autour d'une vingtaine de toute façon. Après, je sais pas si les blues sont différents des classiques en fait. Est-ce que Vegeta Blue est différent de Vegeta normal, hormis peut-être l'attaque spéciale, pareil pour Goku. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. 23, 24, d'accord, ok. Niveau possibilité après une garde, t'as le changement de perso rapide, hein, la shop. Le shop, c'est ce que j'ai essayé, mais je me faisais rooster à chaque fois. Le saut pour te replacer. Une patate si t'es fast ou si t'as de la longe, mais c'est pas vraiment comme street niveau comparaison. Ouais, ouais, je vois ça à Lockhart en fait. C'est vraiment très différent et j'ai du mal parce que pour le coup, je suis très joueur Street 3, Street 2, Street 4 dans l'ordre de préférence face au skill. Et c'est vrai que du coup, ouais, c'est difficile. Oui, ils sont différents, d'accord, ok, ça marche. Mais enfin, un jeu DBZ avec Illy... Ouais, c'est ça. Enfin, des vrais persos viables et pas 120 merdes dont rien de fait, rien de normal, rien de carré. Les bleus sont différents niveau gameplay. D'accord, ok, ça marche, le card. Bah écoute, je savais pas du tout, ouais. Je savais pas du tout. La bêta dure jusqu'à demain 9h du matin. Donc il y a de quoi faire encore. Bon, on a gagné 2-3 fois, mais on s'est quand même bien fait rouler là. Je suis un peu déçu. On va s'en faire une petite dernière pour cette micro-session là. Et après, bon, on va continuer aussi hein, sur la nuit. Hein, mais là, ouais. On va galérer pour les 200 000 avant la coupure. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on a, on a failli. Bah non, je l'ai rattrapé en plus le mec à 280. Donc quelque part, on a un peu rattrapé Hansei. Mais de loin. Putain, mais j'aimerais tellement tomber contre lui là en mode random, ce serait tellement cool. En DLC, je préférerais un super Vegeto qu'un Vegeto Blue. Ah, mais tellement. Oh, mais pareil, hein. Vegeto Blue, ça me ferait tellement chier. Sauf si c'est un super Vegeto que tu peux passer en Blue, quoi. Mais je pense pas. Mais c'est vrai que, ouais, non, un super Vegeto, ça serait classe. Pareil, j'aimerais bien avoir des... Moi, mon main, c'est Bardock. C'est... Dans tout Budokai Tenkaichi, c'est Bardock. Donc s'il y avait un Bardock... Voilà,
Ça serait plus simple, ça serait Gohan, Frieza, Bardock. Voilà, là j'aurais une team qui me va nickel. Donc ouais, non, ça serait parfait quoi. Ça serait parfait. Bon allez, attendez. On va essayer de voir un peu ce que ça donne en face là, parce que là par contre si je perds contre lui, je perds des points. Wow, calme-toi. Wow, wow, wow. Ah, je joue contre un Frieza, contre un seul énervé là. Wow, attends. Il se passe quoi là? Mais attends, ma manette elle bouge pas là. Oh mec. Ah oui, il est énervé de ouf en face. Ah ouais, il est chaud. Il attaque de ouf. Il est par contre il te protège pas mais. Non mais calme-toi, je suis trop fatigué. J'ai trop joué. Un Goku petit, ouais, c'est pareil. Bon attendez, on va récupérer ça. Tant bien que mal, mais on va le récupérer quand même. Ok. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Voilà, j'avais le soleil dans les yeux. C'est l'éclairage qui me gêne, c'est pour ça. Je sais pas s'il récupère direct. Ah putain, il pouvait se protéger, je l'ai dit. Je vais mettre Piccolo en face de ça. Non mais j'ai même pas le temps de charger les boules de Piccolo. Ok. Ça s'énerve encore hein. J'ai dégoûté parce que je voulais changer de perso. Merde. On va pas se déclarer vainqueur parce que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, ouais. T'as un DLC avec beaucoup petit à relayer Jackie Chun, Mark Souls, c'est impossible, mais je rêverais de ça. Non, ne serait-ce qu'un tortue génial. Franchement, un Kame Sennin Bardock, là ça me semble être une bonne team. Non, Bardock c'est obligatoire, enfin je veux dire. Broly aussi quoi, tous les FX, tout, je veux tout voir quoi. Les attaques de Bardock sont tellement stylées dans tous les jeux. C'est impossible que ça passe pas dans celui-là quoi. Un perso de la force brute là. Pas combo mais c'est passé. Il est fort hein. Enfin il attaque fort en fait. Non mais attends, calme-toi là. Oh là, oh là, oh là. Et bah c'était limite hein. C'était limite. C'était très très limite. Moi je veux Tao Pai Pai. Ah c'est marrant ça. Non mais pareil, Paul Kwan Bardock, c'est l'évidence. Il veut une revanche ou pas? Allez, il veut une revanche. On fait une revanche. Ouais. Ah. Aïe. Merci pour les GG. Bon après là ça va, c'est pas un combat très compliqué, c'est moi qui joue comme une merde. Bah là je sens que je fatigue parce que ça je me le serais jamais avoir en vrai. Non mais arrête, ça, tout ça ce qu'il fait là, ça n'existe pas dans le jeu, c'est moi qui me fais avoir maintenant. Faut pas que j'aille au bout du combo avec ce truc là. Attends, protège-toi, on va essayer de se protéger. On va essayer de te protéger, j'ai dit. Voilà, on va jusqu'au bout du combo. Ça c'est chiant à chaque fois.
Je n'attendais pas ça. Ça c'est dommage. Ça c'est très 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 dommage. Enfin, le jeu est éprouvant, ouais. Ah là, le jeu est très éprouvant. Pour le cerveau, c'est compliqué. Si je remonte ça. Ah, il a attaqué derrière. Pas mal cool. L'homme qui ne se serait pas tiré de super. Bon, comme ça, ça va un petit peu. Putain, mais il attaque trop vite! C'est ouf! Ok, et deux. On peut remonter encore, hein. C'est chaud, mais on peut remonter. Je sais pas, c'est bon. On peut remonter. Oh, je n'aime pas, ouais, c'est marrant aussi. Je m'éteins là. Je m'éteins. Ouais, charge le ki, il peut pas s'arrêter. Je rappelle que quand tu charges le ki, t'as un temps où tu peux rien faire, tu peux pas cancel en fait. Donc là il a fait la merde. Bon, ok. J'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu un petit peu peur, mais c'est passé. Et bah, du coup, voilà, on va se faire une toute petite pause de 2 secondes, encore une fois, pour que je puisse cutter à partir d'ici la VOD. Pour les gens qui regardent ça en rediff, j'espère que ça vous a plu de voir comme ça le Dragon Ball FighterZ et quelques combats, ma foi, pas trop mal. Hein. Franchement, là, il y a eu du beau. Il y a eu du très très beau au début, surtout. Là, c'était plus tranquille, mais les premiers combats étaient vraiment dingo. Et puis, bah, du coup, voilà, on va continuer, on va essayer d'avancer. Je sais pas jusqu'où on va aller jusque là, parce qu'en plus, je vais pas non plus live jusqu'à très très tard. Mais on va quand même essayer de rattraper un petit peu Ansei. Je vous retrouverai de toute façon très bientôt aussi pour le jeu complet, tout ça. On verra ça le moment venu. Bref, quand tout ça sera sorti, le 26, je le rappelle, 26 janvier, PS4, Xbox One et PC. Des bisous, à tout de suite, bye. Hop, hop.